take it. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur GTA 5 Online après la mise à jour des braquages. Donc moi je suis sur PS3, je ne suis pas sûr que cette astuce puisse fonctionner sur les consoles next-gen. Je sais que ça fonctionne sur Xbox 360. Donc c'est une survie où vous allez pouvoir trouver un wall breach et donc pouvoir faire la survie les dimanches complètes sans perdre. Donc on va partir sur la présentation tout de suite. Donc c'est une survie qui se trouve ici. Malheureusement, moi j'ai un petit bug. Cette survie-là, pourquoi celle-là, je ne sais pas, mais ne veut pas s'afficher. Et puis pareil, quand je veux la lancer avec le menu Start, ça me dit que mes survies ne sont pas débloquées. Bon, je sais un peu pourquoi, mais c'est pas grave. Alors, donc je l'ai retrouvé de cette manière. Donc il vous suffira de lancer cette activité, donc cette survie, tout simplement. Donc c'est l'activité, la survie, c'est cassez-vous de là. Donc elle est débloquée au rang 15, donc il vous suffira juste d'aller au niveau 15 pour logiquement débloquer cette survie et pouvoir y accéder. Ou sinon vous faites inviter par quelqu'un si vous ne l'avez toujours pas débloqué et que vous ne pouvez pas y accéder. J'en profite pour remercier Bobber59 qui a montré aussi comment faire, parce que moi j'en avais déjà entendu parler de ce wall breach, mais j'étais jamais arrivé à trouver comment rentrer dedans. Donc arrivé dans la survie, il faudra vous diriger comme moi vers le nez de cet avion. Donc je vais commencer par vous montrer ce que ça fait sans wall breacher la partie de l'avion, pour vous donner une idée de ce que ça donne, de la vue que vous avez. Donc quand vous ne wall breachez pas, pour bien comprendre à quel moment vous allez le wall breach cet avion. Donc la méthode est un petit peu compliquée à prendre en main, à peine, vraiment même pas, je dirais. Vous allez avoir plusieurs essais, où vous n'allez pas y arriver, mais une fois que vous aurez pris le petit coup de main, ça va être relativement simple. Donc il vous suffira, comme moi, de prendre par exemple un petit pistolet et de viser donc le coin de l'appareil, là où je vise moi, ici là, et d'essayer de vous approcher, et à chaque fois que vous passez l'appareil, de vous rabattre directement sur l'appareil. Donc là vous voyez que je suis en wall breach, je vais ressortir, on va réessayer de le refaire. Donc la plupart du temps vous serez projeté sur l'autre réacteur qui est en face, enfin sur le réacteur qui est en face. Donc essayez d'avoir un angle de caméra pas trop direct, inclinez-le un peu comme moi, parce que là il est un peu trop en face de moi. Là, mettez-le bien un peu sur le biais. Donc la plupart du temps, vous allez remonter comme ça vers ce réacteur. C'est un petit coup de main à prendre. Et après, vous allez vite comprendre comment wall breach la partie avant de l'avion. Donc une fois que vous aurez pris le coup de main, c'est relativement assez simple, hein. Il ne faut pas très très longtemps pour y arriver. Et il vous suffira de longer l'appareil pour aller sur cette petite butte. Et une fois que vous êtes sur cette petite butte, et bien, libre à vous d'éclater tous les mecs. Personne ne pourra vous tirer dessus. Il y en a peut-être un ou deux qui resteront coincés de temps en temps. Il faudra sortir à la fin de la survie ou à quelques petits moments. Mais vous faites le tour, personne vient vous chercher là où vous êtes quasiment. Donc logiquement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous !